demandons à l'Esprit Saint d'éclairer pour nous l'écoute de la parole de Dieu. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ. Quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans rien écouter. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ. Quand nous sommes assemblés sans amitié, quand l'orchestre joue et que nous ne sommes pas joyeux, quand nous mangeons sans être rassasiés. Donne-nous ton esprit, Dieu de Jésus-Christ. Alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous saurons trouver. Nous entendrons la voix de nos frères et sœurs. Notre travail portera ses fruits. Alors ta parole nous fera vivre. Ensemble nous partagerons. Ensemble nous danserons. Ensemble nous serons nourris de ton pain. Alors, ta parole nous fera vivre. Amen. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : La paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Donc le soir de sa résurrection, Jésus se rend présent au milieu de ses disciples et il leur communique l'Esprit Saint. C'est cela Pentecôte, un souffle de vie répandu sur les croyants et par lesquels le Seigneur va orienter, transformer leur vie de trois façons. Je vous propose d'essayer de méditer, d'explorer ensemble cette œuvre du Christ en nous, par l'Esprit, à travers les trois cadeaux que le Seigneur nous fait et dont parle ce texte de l'Évangile de Jean. Trois cadeaux. Tout d'abord, Jésus vient tout simplement auprès de ses disciples enfermés. Et alors il leur donne la paix. Ça, c'est le premier cadeau. La paix soit avec vous. Jésus le répète. Il donne la paix à des individus qui étaient repliés, enfermés dans la crainte des autorités. La paix qu'ils cherchent avant que Jésus ne vienne, elle a certainement une odeur de renfermé. Que l'extérieur ne nous menace pas, nous laisse tranquille, nous laisse entre nous. Ça, c'est la paix qu'ils essayent de se fabriquer soi-même, eux-mêmes, en se fermant, en se repliant. C'est la paix qu'on peut parfois essayer de s'auto-procurer quand on est agité, en se bouchant les oreilles, les yeux, sur ce qui se passe à l'extérieur, en se taisant. Cette fausse paix du chacun chez soi, chacun pour soi. Jésus balaye, efface cette fausse paix par celle qu'il apporte. Il vient nous rencontrer pour nous attester la vraie paix, celle que le monde ne peut pas nous donner, celle que nous ne pouvons pas nous procurer à nous-mêmes. C'est la paix qui naît d'une vie réconciliée avec Dieu, avec les autres. Comme le figurait tout à l'heure, le ruban coupé et renoué, et avec soi-même. La paix, la shalom biblique que nous avons chanté tout à l'heure en hébreu, « Evenu shalom alehem, nous vous apportons la paix », c'est beaucoup plus que la coexistence pacifique du
Fiche-moi la paix. C'est lorsque chacun a trouvé sa juste place, la vraie shalom, la vraie paix. Lorsque chacun a retrouvé, a recouvré ce qui lui revient selon le projet de Dieu, alors quand chacun est à sa juste place, quand chacun a reçu ce qui lui revient, alors les haines, les guerres, les conflits de tous ordres s'éteignent, parce qu'ils viennent de ce que nous rêvons toujours de prendre la place d'un autre, ou même la place de Dieu, au lieu d'accepter celle que Dieu veut nous donner. Alors remarquez que Jésus ne dit pas « que la paix soit en vous », mais il dit « que la paix soit avec vous » ou « pour vous » selon les traductions. La paix du Christ, ce n'est pas simplement la tranquillité et la sérénité zen, comme on dit, intérieure, obtenue avec toutes les techniques qui nous viennent de très loin, parfois d'Extrême-Orient, de méditation en pleine conscience et autres techniques. Ce n'est pas non plus cette paix, la fuite dans les distractions, les loisirs ou l'évasion dans le rêve. La paix du Christ, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas en nous, mais qui est avec nous, qui nous accompagne dans toutes nos routes, parfois étroites, parfois mouvementées, parfois balayées par les tempêtes, les épreuves, les deuils, les accidents de vie. Voilà le premier cadeau de l'Esprit-Saint. Ce cadeau, cette œuvre de l'Esprit, ce fruit de l'Esprit, la paix que nous donne le Christ. Cette paix qu'il nous a obtenue, définitivement, par sa croix et sa résurrection. Alors après avoir donné sa paix en présence et en parole, parce qu'il apporte sa paix en étant simplement présent avec ses disciples, Jésus leur montre ses mains et son côté percé, comme pour rappeler à quel prix cette paix a été acquise. Puis il envoie les disciples dans le monde pour qu'ils partagent cette paix que Dieu a conclue avec le monde en lui, en Christ. Le deuxième cadeau du Seigneur, c'est une mise en route, c'est un envoi. Alors un envoi qui est tout sauf confortable. Car où est-ce que le Christ nous envoie? Eh bien, il nous envoie dans un monde où la règle, c'est parfois de marcher sur les pieds de l'autre et de l'écraser pour s'affirmer. Il nous envoie dans un monde qui ne veut pas de la paix avec Dieu parce qu'il préfère la fabriquer à coup de toutes sortes de tranquillisants, quel que soit leur nom, à coup de compromis boiteux, à coup de mensonges ou de rafistolage, ou par la seule loi du plus fort. Dans un monde qui a crucifié le Fils de Dieu. Oui, Pentecôte, c'est un envoi dans ce monde-là. La mission d'être ouvrier, ouvrière, artisan de paix. D'être servante et serviteur au service de Dieu et des autres. Disponible comme l'a été Jésus jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, mais ça c'est un cadeau plutôt difficile à recevoir, ça. C'est plutôt un cadeau presque empoisonné. Mais oui, c'est un cadeau que d'être investi de la confiance du Seigneur, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et même si nous ne nous sentons pas à la hauteur, Jésus nous donne ce qu'il ordonne de transmettre. Sa paix. Et si vous vous en sentez vraiment indigne d'être ces messagers de paix du Seigneur autour de vous, ces messagers de réconciliation, ces messagers d'espérance et d'amour, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, eh bien, relisez un peu tout ce que les évangiles nous disent des disciples de Jésus. Et vous verrez que Jésus a vraiment fait appel à une bande, excusez-moi, de bras cassés. Regardez Pierre, toujours à plastronner, toujours à dire « Oui, moi, Seigneur, je suis le meilleur. » Et puis, quand il faut être là, là, il n'y a plus personne. Regardez ce qui se passe au moment où Jésus est arrêté. Il n'y a plus personne.
Alors c'est pas sur nos qualités humaines qu'il faut nous fonder, mais simplement c'est l'appel du Seigneur. Si tu reçois cet appel, dis-toi que le Seigneur te donnera ce qu'il faut de force pour transmettre ce message de paix à un monde qui n'en veut pas ou qui a du mal à l'accepter. Et rappelez-vous surtout que Jésus dit cela à des disciples qui sont soigneusement calfeutrés, enfermés entre quatre murs d'une pièce par peur des autorités juives. Il dit cela à des gens qui étaient vraiment pas prêts à recevoir cet envoi, cet ordre de mission. Simplement, le souffle du Seigneur est passé sur eux. Et regardez comment c'est passé à la Pentecôte. Ils sont sortis du lieu où ils étaient enfermés. Ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Christ dans toutes les langues de ceux qu'ils rencontraient. C'est-à-dire qu'ils ont eu un don pour communiquer. Ils ont reçu ce qu'il fallait pour cela. Et alors ici vient un geste curieux de Jésus. Il souffle sur ses disciples, le souffle, le vent, ce souffle qui fait gonfler les voiles et avancer le bateau. Le vent qui peut aussi nous déséquilibrer ou nous obliger à avancer. À la limite, l'esprit, c'est une force qui vient et qui à la fois nous libère et nous contraint. Jésus ne dit pas « Est-ce que vous voulez bien recevoir le Saint-Esprit ? S'il vous plaît. » Non, il ne dit pas ça. Il dit « Recevez le Saint-Esprit » et il souffle sur eux sans leur demander leur avis. Oui, l'esprit peut se saisir de nous. Et l'expression la plus forte de cette puissance de vie par laquelle Dieu veut recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre, cette force de changement bien plus décisive que toute force existante, c'est ce troisième cadeau que Jésus donne à ses disciples, c'est cette force, ce pouvoir extraordinaire du pardon. Une force qui est confiée à nos faibles mains. Quelle responsabilité! Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Si tu te tais alors qu'une parole de paix pouvait être apportée, tu laisses l'autre alors non réconcilié, ni avec Dieu, ni avec les autres, ni avec lui-même. Pouvoir redoutable qui nous est donné, celui d'annoncer le pardon ou de taire cette bonne nouvelle du pardon, d'en être témoin ou pas. Dieu ne veut pas pardonner sans nous. Notre pardon provoque Dieu à pardonner. C'est cela l'Esprit Saint, le souffle de vie sur nos vies. Comment obéir à cet ordre de mission? Eh bien, en se mettant au niveau des autres, comme Dieu nous a pardonné, en se mettant à notre niveau. Ce pardon donné, ce n'est pas l'aumône un peu condescendante et méprisante, c'est au contraire la main tendue, c'est au contraire le premier pas, la dette effacée. Et combien le monde a besoin de cet effacement des dettes, de cette réconciliation, seule manière d'arrêter les engrenages de violence et de haine, qui d'une manière ou d'une autre remontent toujours à la même origine, ce péché qui est fondamentalement de vouloir être comme Dieu et donc de se faire le Dieu de l'autre, de disposer de la vie de l'autre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu insaisissable, Dieu que l'on ne peut enfermer, et pourtant Dieu présent en nous, l'Esprit Saint, Dieu invisible, discret, et pourtant si présent et si puissant. Dieu libre, Dieu qui nous échappe, et pourtant présence qui nous est aussi vitale que le souffle qui remplit nos poumons. Comme le disait quelqu'un, moi quand on me dit que Dieu c'est du vent, je réponds, ah ben oui, précisément, mais oui, Dieu c'est du vent, et ce n'est pas rien le vent. Ceux qui sont sur les hauteurs un jour de Mistral en savent quelque chose. Rien de plus réel, de plus obsédant, de plus fort que le vent. L'air, le souffle, le vent, c'est l'élément qui nous est le plus indispensable. Et en même temps, il n'y a rien de plus libre et de plus insaisissable, de plus indomptable que le souffle de l'air. Nous ne pouvons que le recevoir et le rendre. Nous ne pouvons que nous laisser renouveler et purifier par l'air sans jamais le posséder. Eh bien, il en est de même de l'Esprit Saint. Alors voilà, trois cadeaux. La paix du Christ. L'envoi du Christ, le pardon du Christ, pour réconcilier ceux qui vivent en étranger ou en ennemi. Paix, envoi, pardon. Tout cela
réunis dans une puissance pour rejoindre l'autre et parler enfin le même langage. Voilà le don de Pentecôte. Une paix, un envoi. Une force comme les trois brins d'une même corde qui, ensemble, peuvent lui donner souplesse et résistance. Parce que la paix que nous donne le Christ, sans l'envoi en mission, ce serait un confort spirituel douillé, mais un peu stérile. Le départ en mission, l'envoi vers les autres, sans la paix du Christ, ce serait l'activisme, l'illusion que nos œuvres et nos agitations construiront la vraie paix, alors que seul le Christ peut la donner. Et cet envoi, sans le souffle de l'Esprit, il y manquerait la liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il n'y aurait plus obéissance joyeuse, assurance de ce pardon qui nous délivre de nos passés, mais formalisme religieux, moralisme écrasant, ou bien fanatisme porteur de mort. Et reconnaissons-le, les chrétiens au cours des siècles n'ont pas toujours été témoins d'un Dieu qui pardonne à quiconque se repent et croit, mais uniquement d'un Dieu qui jugeait et qui condamnait. Quelle promesse, n'est-ce pas? Comme il a confié l'Évangile à ce petit groupe de disciples apeurés, ce matin encore le Seigneur nous donne sa paix, nous assure de sa présence et de son souffle, pour nous confier l'annonce du pardon possible, de la réconciliation qui reconstruit, qui fait tout à neuf, qui délivre des malédictions du passé. Comme le souffle d'air frais qui rentre dans une pièce et qui en expulse l'air vicié et les odeurs de renfermé, les odeurs de confiné, pour le dire avec un mot à la mode. Amen. Parce que si jamais quelqu'un déclarait des symptômes la semaine prochaine, vous recevriez un petit mail au bout du fil en vous disant hop hop hop, j'espère bien que ça n'arrivera pas, par la grâce de Dieu. Et puis ce culte est filmé et Mathieu fera un montage, et merci Olivier pour le film, et il va apparaître sur notre chaîne YouTube. Vous dire aussi que le culte de dimanche prochain, peut-être tu projettes les annonces, non tu les as parce qu'on ne donne pas de papier. Le culte de dimanche prochain a lieu à la maison du protestantisme, mais non pas à la salle de culte, mais en plein air. On est allé voir, la dernière cour est parfaitement à l'ombre, donc on va sortir les chaises, pas les parasols, puisqu'il y aura les arbres pour faire de l'ombre, et on sera très bien pour ce culte en plein air dimanche prochain dans la cour de la maison du protestantisme, parce que dans la salle de culte, on ne peut guère dépasser 30 personnes. Aujourd'hui, on est presque 60. Voilà, alors on sera peut-être moins nombreux à la maison du protestantisme, mais bon, vous pourrez venir en sécurité puisque ce sera en plein air. Le 14 juin, nous nous retrouvons ici. Alors, les horaires étaient bousculés parce que nous devions partager le temple avec l'Église réformée évangélique. En fait, ils ont changé d'avis, ils n'utilisent plus le culte avant ou après nous. Ils devaient venir à 11h, ils ne viennent pas, ils font un culte à vidéo. Du coup, le 14 juin, on va garder notre horaire normal, 10h30. Alors, c'est annoncé 11h, donc dites-le bien autour de vous, on fera passer l'info. Le culte du 14 juin, ici même, c'est l'horaire habituel, voilà, à 10h30. Le 28 juin, ça sera la fête de l'Église, tout en plein air aussi, à la maison du protestantisme, donc avec une paella. Alors, les restaurants étant ouverts, on a pensé qu'on avait le droit aussi de faire un restaurant. Mais on fera du drive et de la livraison pour notre paella, parce qu'on n'a pas pu faire la robe d'église. Et les chefs cuistots étaient en manque, n'est-ce pas? Le comité des fêtes est sur les starting blocks. Voilà, donc on va vous préparer une bonne paella que vous pourrez sur commande emporter ou qu'on pourra vous livrer aussi. Voilà, les groupes de quartier reprennent en plein air dans les jardins. Voilà, on essaie de faire mieux. Et vous, dernière information, le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique et c'est le jour du culte à des énormes. Donc, ce sera un culte de louange et un
culte musical. Donc je fais appel à tous les musiciens qui sont ici, il y en a plein, hein. Voilà, avec Christophe, pour préparer un beau culte musical qui sera a priori transmis en direct sur notre chaîne YouTube. C'est-à-dire Mathieu va faire ce qu'il faut avec l'équipe technique, je ne sais pas comment ils font, mais ce culte pourra être transmis en direct sur la chaîne YouTube. Voilà, et puis ça sera, c'est l'offrande après ? Ah oui, je vais appeler Jeanne Boutin, mais oui, oui. Et puis, vous dire que nous n'avons pas pu faire la soirée cabaret, nous n'avons pas pu faire la voix d'église, ni les collectes dans les cultes, même si beaucoup d'entre vous ont participé. Sachez qu'il manque à peu près 3000 euros sur les comptes de la paroisse, donc c'est le moment de déconfiner aussi le carnet de chèques. Dans les annonces, oui. Et l'Assemblée Générale, oui, oui, le samedi 13 juin, ici même. Voilà, à 9h30. Assemblée importante, puisque nous devons élire le nouveau conseil presbytéral et nous devons aussi voter pour la vente du temple de Tamaris. Tout ça avait été reporté du mois de mars. Donc, Jeanne Boutin, une petite communication pour l'entraide protestante. Alors, je crois que l'image est encore plus parlante que les paroles. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pendant ce temps de confinement où nous avons continué à distribuer de la nourriture. Nous nous sommes arrêtés seulement 8 jours. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 300 personnes que nous nourrissons toutes les semaines. Nous nous sommes rendus compte avec ce beau local qu'il avait un petit défaut, c'est qu'avec 3 ou 4 frigidaires et 3 congélateurs à l'intérieur, il y faisait en ce moment 30 degrés. Donc nous sommes obligés, nous n'avions pas pensé, on avait un extracteur, on pensait que ça suffirait, nous sommes obligés de mettre une clim dans ce local. Et comme d'habitude, nous cherchons 3 sous pour en faire 4. Donc si quelques personnes ont envie de nous aider, ils le peuvent, ça sera une joie de recevoir ces quelques subsides. D'autre part, je voudrais beaucoup remercier tous les jeunes qui nous ont aidés, les éclaireurs, les chefs scouts, pendant toute cette période, et ce qui a révélé aussi qu'au fond, ils pouvaient bien nous donner un jour de temps en temps, et notre équipe s'est considérablement rajeunie, ce qui pour moi est une grande joie, et je pense aussi pour vous tous. Chacun a pris conscience de l'importance de cette distribution de nourriture avec ce camion. Voilà, alors merci à tous.